Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau vlog lecture. Et aujourd'hui, on va lire Proxima du Centaure de Claire Castillon, chez Flammarion Jeunesse. Alors c'est un tout petit livre, j'ai eu envie de faire un vlog lecture dessus parce que je voulais pas faire une vidéo unboxing, mais je voulais quand même vous montrer ce que j'ai reçu avec. Donc normalement vous l'avez vu en intro, et puis du coup je me suis dit bah pour compléter la vidéo, j'allais faire un vlog lecture sur ce livre. Donc c'est un livre qui fait un tout petit peu plus de 200 pages, donc on va essayer de se lire ça ce matin, puisque là il est 9h. Donc j'ai espoir de me faire ça ce matin, ce serait cool. Et voilà, donc je vais commencer ça, et puis je vous reprends quand j'aurai lu quelques pages pour vous dire de quoi que ça cause, parce que j'ai absolument pas lu la quatrième de couverture. Bon, j'ai lu 3 chapitres, qui n'est pas grand chose, mais comme c'est un roman court, je vous fais des points assez régulièrement. Ce que je peux dire dans un premier temps, là, sur un premier jet comme ça, c'est que le style d'écriture et de narration est très... c'est très déroutant. Voilà. C'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude, c'est pas forcément quelque chose que j'aime. Donc on est dans la tête de Wilco, qui est un jeune homme, un lycéen, qui fait une réelle fixation amoureuse sur une jeune fille de son lycée qu'il a surnommée Apothéose parce qu'il connaît pas son nom. Il l'observe depuis sa fenêtre quand elle passe, sauf qu'un jour il va trop se pencher et il va tomber. Il habite au 5e étage, donc voilà. Il va tomber, vous vous doutez bien qu'une chute de 5 étages ça se termine pas bien. Et en fait Wilco atterrit à l'hôpital et il est... Il ne peut plus parler, il ne peut plus bouger, il ne peut absolument plus rien, c'est un légume. Sauf que nous, on est quand même dans sa tête. Donc il nous raconte ce qu'il voit, les gens qui passent le voir, et ses sentiments. C'est quelque chose qui est compliqué pour moi, parce que c'est pas quelque chose que j'aime. J'aime pas être dans la peau de quelqu'un qui souffre. De quelqu'un qui est malade comme ça. C'est très angoissant, je trouve. Très anxiogène. Maintenant je trouve que Wilco est très attachant en fait, et je pense que cette narration et cette façon d'écrire qui est très très particulière contribue largement à ce qu'on s'attache à ce jeune homme. Je vous ai mis un petit extrait, donc je vous ai mis les 2 premiers paragraphes pour que vous puissiez un petit peu juger par vous-même du style de l'auteur. Donc voilà, ses parents sont très particuliers aussi, mais j'aime bien la façon dont ils sont présentés. Voilà, pour l'instant j'en sais pas plus, 35 pages, voilà, j'en sais pas plus, on se retrouve plus tard. J'aime bien les passages où Wilco, donc le jeune homme qui est à l'hôpital, qui est en état végétatif en fait, il a des passages où en fait il nous raconte des anecdotes de sa vie ou des choses qui se sont passées, et j'aime bien ces passages, parce que ça rend tous les personnages vachement humains et attachants, et ça j'aime bien. Il en apprend un peu plus sur la fameuse Apothéose, donc il apprend son prénom et il apprend plus de choses sur ce qui aurait pu être leur relation, et c'est attendrissant quelque part parce que c'est comme si on assistait à une histoire d'amour entre deux personnes qui finalement ne se côtoient pas. C'est assez étrange, mais voilà, tout ça c'est dans sa tête, donc c'est plutôt sympa. Et finalement, ce que j'aime le plus, c'est le style d'écriture. Vous voyez, au début, je vous disais sur les 30 premières pages que ça me déroutait complètement. Et finalement, là, arrivé à la moitié du roman, je me rends compte qu'une fois qu'on s'y est habitué, c'est hyper plaisant. C'est vraiment hyper plaisant. Cette originalité qu'on a, c'est-à-dire qu'on n'a pas de dialogue, puisque voilà, il n'y a pas de dialogue. Mais il nous raconte des dialogues, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vraiment très très plaisant, en fait. Je prends beaucoup de plaisir à savourer l'écriture de l'auteur, et ça c'est vraiment chouette. Et tous ces petits plus qu'on trouve dans le livre, comme je vous ai montré tout à l'heure, un extrait de journal, il y a un moment on a un petit papier avec une odeur, donc avec un parfum, on a des petits trucs publicitaires, il y en a vraiment beaucoup, et ça rend la lecture vachement interactive, voilà, et c'est vraiment vraiment agréable. J'aime vraiment vraiment beaucoup ce principe, c'est un truc que j'adore et qui devrait exister bien plus dans les romans, parce que c'est vraiment super agréable en fait, voilà.
Je pense que c'est un roman qui pourrait bouleverser pas mal de personnes. Maintenant, je savais pas que ça parlait de ça. Et c'est vrai que je suis pas du tout sensible à ce genre de choses. À part le fait que je trouve ça très anxiogène. C'est vrai que... En fait, je pense que je refuse de me mettre à la place de Wilco. Mais complètement. Hein. Et du coup, voilà. Par contre... Je vous dis, j'aime beaucoup la façon dont l'auteur présente l'histoire, parce que c'est pas tire-larme, et ça je trouve ça cool. Et puis je trouve que elle a créé une famille, donc les parents et la sœur, qui sont dans leur folie et dans leur. Dans leur folie en fait, qui sont très attendrissants. Et j'aime beaucoup ce côté-là. Vraiment. Maintenant, l'histoire de Wilco en elle-même, c'est pas quelque chose à laquelle moi j'accroche, mais c'est un bon livre parce que vraiment, je trouve que l'écriture est très belle. La famille est très bien représentée. C'est un côté assez poétique la façon dont c'est présenté, en fait, je trouve. C'est vraiment chouette pour ça. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Je peux vous assurer qu'habituellement, un livre sur ce sujet, je l'aurais abandonné dès les 50 premières pages. Parce que c'est quelque chose que j'aime pas lire en fait. Mais le style, les personnages font qu'en fait on a envie de continuer. Et ça c'est vraiment chouette, j'aime bien les livres comme ça parce qu'ils m'éloignent de ma zone de confort et ils me poussent à lire des choses que je ne lirais pas. Et ça c'est plutôt cool. Maintenant je suis un peu inquiète parce que dans ce livre, vous savez, je vous ai dit qu'il y avait des petits mots, des choses comme ça, et il y a un mouchoir dedans. Donc ça pue du cul, même si de toute façon dès le départ on sait que ça va pas bien se terminer, c'est évident en fait, enfin, vu l'état de ce gamin, on sait que ça peut pas bien se finir, mais voilà, je pleurerai pas, c'est clair et net, parce que je suis pas dans un état émotionnel avec ce livre qui fait que voilà, mais c'est un chouette bouquin que je garderai avec plaisir et que je prêterai surtout avec plaisir, ne serait-ce que pour découvrir le style en fait de l'auteur qui est magnifique dans son originalité. Voilà. Bon, je viens de terminer et le dernier chapitre est superbe. Vraiment, il est magnifique. C'est superbement bien écrit et c'est vraiment très beau. Je vous ai dit que j'étais pas dans un mood émotion, je vais pleurer et pourtant j'avais, vous savez, cette petite boule dans la gorge qui fait que voilà, c'était vraiment beau. Vraiment. C'était vraiment beau. Malgré tout ce que j'ai pu ne pas aimer, je peux vous assurer que c'est très poétique, vraiment. Et j'ai quand même passé un bon moment de lecture, même si c'est pas à la base un sujet qui me plaît. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'est fait, la façon dont c'est écrit. J'ai trouvé que Wilco était très très attachant, que sa famille était très attendrissante. Et c'était un chouette moment de lecture. J'ai adoré tout ce qu'on peut trouver dans ce roman. Vous voyez, par exemple, là, il y a une recette. Je trouve ça génial. C'est un bel ouvrage. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez franchement pas, foncez. C'est un petit livre qui vaut 13 euros. De toute façon, je vous mets un lien en barre d'infos, comme d'habitude. Je remercie vraiment, vraiment l'équipe Flammarion de m'avoir fait découvrir ce livre. Je les remercie pour les goodies qui vont avec, parce que c'était magnifique. On finit par comprendre pourquoi il s'appelle Proxima du Centaure, voilà. Si vous aimez les étoiles, ça peut être vachement touchant aussi, et voilà, c'est une belle lecture, voilà. Même s'il y a des choses qui, moi, ne m'ont pas convaincue, ça reste une très belle lecture, et je vous le recommande très chaudement, si ce type de sujet peut vous plaire, en tout cas. Voilà, et ne serait-ce que aller en librairie et le feuilleter un petit peu, et je sais pas, voir l'objet livre, qui est quand même un bel objet, et peut-être lire quelques paragraphes, parce que vraiment le style de l'auteur est pas commun, et la façon d'écrire est pas commune, et c'est rafraîchissant, voilà. En tout cas, c'est une très belle découverte, c'est un livre vers lequel je ne me serais jamais penchée si Flammarion ne me l'avait pas proposé, et c'est ça que j'adore en fait, voilà. Donc, je vais vous laisser là pour cette lecture. J'espère que ce petit vlog vous a plu. J'espère que je vous ai intrigué avec ce roman. Je vous dis, pour moi, c'est une totale découverte. Voilà, j'espère vraiment que le vlog lecture vous a plu. J'espère qu'il n'est pas trop long, surtout. Je vais vous laisser. J'attends vos commentaires avec grande impatience. J'ai hâte de savoir si ce livre vous intrigue. Voilà. J'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de voir vos petits pouces en l'air. Et voilà, n'hésitez pas vraiment à mettre des pouces et tout pour que je sache si les vlogs continuent à vous plaire. Dans ce cas-là, je vous en tournerai un autre pour la semaine prochaine.
vous fais plein de très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Salut !